Le tir sportif est le troisième sport individuel le plus pratiqué au monde. En loisir ou en compétition, celui-ci développe différentes aptitudes, telles que la concentration, la précision ou encore la maîtrise de soi et de son corps. À Genève, une société historique est reine en la matière, les exercices de l'arquebuse et de la navigation. Les enfants débutent entre 10 ans, 12 ans, ils tirent assis avec un staff fixe. Donc ils posent leur instrument de tir, qui est la carabine ou le pistolet. Entre 12 et 14 ans, on fait un staff fixe mobile, donc on met un poids de compensation qui est de 500 grammes pour le pistolet et 1 kg pour la carabine. Et depuis 14 ans, on peut faire tirer les enfants avec les instruments de tir, libres, bras francs, comme le font les adultes. Quelle que soit l'arme envisagée, la base du tir sportif, c'est le 10 mètres. A noter qu'à cette distance, le pistolet et la carabine à air comprimé sont des disciplines olympiques. Ancienne génération de pistolets précomprimés, qui était utilisé spécialement pour les nouveaux policiers genevois. S'en est suivi pistolet CO2, cartouche CO2, et maintenant, nouvelle génération de tir, pistolet à air, électronique. La languette en plastique introduite dans le canon permet de confirmer que l'arme n'est pas approvisionnée. Dans le tir sportif, on ne lésine pas avec la sécurité et dans le doute, une règle simple prévaut. Une arme doit toujours être considérée comme chargée. L'arquebuse ouvre ses installations à ses membres tous les jours de la semaine, à l'exception de deux matinées. Hormis les entraînements libres et les compétitions, le rendez-vous le plus attendu, c'est celui du tir de Noël. Nous recevons tous les arquebusiers, tous les enfants d'arquebusiers de la famille, et viennent ici, dans l'espace de 2 heures, ils peuvent tirer à la carabine et au pistolet air comprimé. Le résultat n'a pas d'importance, mais chacun repart avec la satisfaction d'avoir fait quelque chose, et un cadeau qu'offre l'arquebuse, qui est toujours en adéquation avec notre région, c'est-à-dire chaque année, on choisit un produit régional qui est fabriqué pour cette occasion. Non, c'est bon. Et 10,5. Extraordinaire. Bravo.